Mba. Lizzie Patton. Ça dit quoi? Ça va, Patton. Ça va. Faut t'asseoir un peu. Prends place. Hé, Mba. Toi, tu es toujours en train de manger. Oh, faut déposer ça. Tu aimes trop manger. C'est pas trop. Tu vas bien. Ça va. Hé, Mba. Si c'est la dernière fois, là, le service que tu m'as rendu, là, j'ai beaucoup aimé. Patron, elle est ici! Je suis partie la dernière fois. Je suis partie faire le shopping. Moi, j'ai pensé à toi. Shopping. C'est quoi ça? Je suis partie payer un peu les trucs. Tu vois les habits. Hey! C'est ça là. Tu vois? Hey! Tu vois? Ça, c'est pour toi, bon. Pardon, c'est pour moi. C'est pour toi. Hey! Oh, mon Dieu, Dieu t'es béni, ça. Hey! C'est la voix. C'est que les Rihanna là. Rihanna. On dit pas ça. Rihanna. On dit Rihanna. Rihanna. C'est ça. Patron. Ça là, ça m'a coûté cher. Mais quand tu me coûtes cher, je t'ai donné. Tu vois, toutes ces robes là. Je veux plus te voir avec les pailles, les trucs comme ça. Tu comprends, non? Patron, il ne va plus porter ça. Porte plus. Il y a la magie. Ça, c'est pas ça. Non, on fait pas confiance comme ça. Hey! Pardon, ça sent bon, d'ailleurs. Au village, là, il n'y a pas ça, là-haut. Il n'y a pas. Tu vois? On boit, mais pas dans la bouche. Tu vas me créer problème. Toi, tu es devenu quoi, ça, moi, chico, bien. Non, on ne met pas dans la bouche. On met sur les habits, la main, et puis tu frottes comme ça. Partout, tu passes, ça sent bon. Oui, deuxième. Prends. Merci, patron. Eddy, tu vas pas laisser le bonbon là. Laisse le bonbon. Ce matin, on était à l'hôpital. Tu sais très bien ce que le médecin a dit. Et d'abord, tu te sens pas bien et tu es toujours avec les friandises. Donne-moi, non. Non, dis pas plus. Donne-moi ça, hein. Laisse ça faire plus des enfants là. Non, dis pas plus, ça veut dire quoi? Ah, tu peux dire, tu regardes pas. Hein. Non, mais, des enfants. Non, mais tu me vois dans les trucs comme ça. Ouais. Chaque 22 ans, on t'est collé là-bas. Non. Mais avec toute cette beauté que j'ai là, cette beauté subsaharienne que j'ai, je cherche quoi dans les trucs des enfants? Mba. Oui, patronne. Apporte-moi un peu d'eau, s'il te plaît. C'est quoi tout ce sont bon, vraiment. C'est quoi ça? Bon. Eh, chérie, toi, tu es bizarre, Les Africains doivent apprendre à donner du bon nom. Eh, non, mais ça, mais tu sais même pas que c'est ce que ça signifie. Hein? Mba! Oui, patron! On voit de l'eau à ma femme, pardon. C'est quoi? On voit la cité d'une maison, Mba, Mba, on dirait qu'elle est palarde. Elle est palarde. C'est vrai. Elle est trop polie, cette fille-là. Ah, apporte-moi un peu d'eau. Bon, faut pas gâter ton nom, c'est pas la guerre. Oh. Patronne, ma patronne, tu sais, moi, j'ai amour d'elle. Bon, il a fait comme mon mari est trop chaud. Il a dit, bon. Ton nom là, ton prénom là, ça signifie quoi? Patronne, mon nom là signifie Ignam. Il a dit que mes arrière-grands-parents là, c'était de grands cultivateurs d'Ignam. Nous, maintenant, famille là, côté Ignam là, on le sait. On sait cultiver ma mère comme ça là. Quand il plante Ignam là, ça donne beaucoup d'Ignam. Ma maman là, pendant que le tonton m'a accouché là, c'est un champ d'Ignam m'a accouché. C'est pas vrai. C'est à cause de ça, elle m'a donné une boule là. Donc tes parents t'ont appelé Niam. Tu es folle pour piler Niam. Patron, viens dans notre village seulement. Il a dit que si tu viens dans notre village, j'ai bien pilé les bons foutus. C'est pas les foutus d'ici là. Foutus d'ici là, c'est rien. Nous, on pile foutus jusqu'à ici. Tu ne vois pas. Il a dit ma fille celle-là, elle est trop mignonne. Merci, oh vraiment, elle est trop mignonne ma fille là. Bon. Bon. Bon, ça va, laisse-nous seul, ok? D'accord, pardon. Quand on aura besoin, on va t'appeler. Maman, les balles, elles sont compliquées là-dedans. Niam. Et dis-moi. Hein? Depuis quand on va se rentrer, ça vit comme ça? Eh, bébé. Dis pas, non.
C'est moi, je lui ai donné ça. Tu sais, c'est une fille qui respecte beaucoup. Je suis partie, j'ai fait un peu de shopping. Parce que souvent, là, même quand elle vient travailler chez nous, on doit bien les traiter. Ce sont des êtres humains. Mmh. Voilà, donc je lui ai fait un peu de shopping. En fait, je suis pas contre, mais au moins elle commence à être présentable. Oui, parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec son argent. Parce qu'il y a d'autres là, elles envoient tout leur argent au village. Et tandis que c'est les parents qui gênent les salaires. Mais elles sont ici, elles ne bénéficient de rien. Les habits sont déteints. Il n'y a pas de bonnes chaussures. Rien. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux, c'est pas bon. Mais en tout cas, tu sais, chérie, moi, j'ai déjà déclaré un boy. Ah bon? Oui, parce que cette fille-là, elle est tellement respectueuse que je ne sais pas. C'est j'ai bon. Prévu faire tellement de choses avec cette fille-là. Franchement. Ouais, mais vas-y doucement, ok? Oui, mais bon, ouais. C'est une bonne fille. Hein. Non, tu sais, il y a un proverbe qui dit c'est la saveur de la sauce qui fait qu'on rapproche son tabouret du riz. Voilà, donc pas doucement, ok? Oh, j'aime ça, le chéri. Ouais. En tout cas, mon boss est une bonne fille. J'espère que j'en retiens. Mm-hmm. Ah. Bon, ok. Fait, tu vas aller te reposer, ok? Tu as bu tes médicaments? Ah oui, mais j'ai déjà bu. Mon boss, oui, patron. Il faut essayer de servir patron un peu. Il faut servir ton patron. Tu vas manger en même temps. Je vais me reposer et puis bon. C'est ça. Patron, celui-là, tu peux te servir. D'accord. Attends. Donc c'est comme ça, on boit le bois. Ah. Mais je n'en dis pas plus. Allons-y ça. Tu regardes comme tu cries dans la maison. Je sais que tu regardes Netflix. Netflix. Pourquoi tu regardes la dernière fois là? Tous les jours tu regardes là. On dit pas Netflix. On dit Netflix. Netflix. Net. Net. Flix. Flix. Tu as monté quoi là? Il t'a dit. Ah, laisse-toi y te voir une fille. Non, Mba, tu es bon même. J'ai dit, c'est comme ça, faut t'habiller. Tu as compris? Faut t'habiller comme ça, là, comme ça. Il y a les babatiens dans le quartier, là. Il y a un forcé qui a gagné ton numéro dedans. Tu comprends? Quand il va. Qu'est-ce que quelqu'un te drape dans le quartier, tu me dis? Je te dis. Dans le quartier, là, tu me dis. Je te dis. Tu me dis d'abord. Et puis, on va examiner pour voir si c'est bon, mais c'est pas bon. Tu vois, ça va passer, tu es dans ma maison, que ça veut dire, tu dois pas lever. Patron, attends, tu t'en vas où? Hier soir, je viens. Je vais laisser mon mari dans la chambre là-bas. S'il y a une fille qui vient ici, tu m'appelles. Tu as compris, non? D'accord. Même s'il est au téléphone, il faut surveiller tous ses pays et gestes. D'accord. Tu as compris, non? D'accord, papa. J'ai confiance en toi. Bon, Netflix. Oui, patron. Ça va? C'est quel film ça? Patron, ça chauffe, hein? Ça filme des trucs là. Ah bon? T'as mal chic. Faut l'attraper! Sors! Bon. Oui, patron. Qu'est-ce qui se passe avec tes bons, même? Hein? Patron m'a dit ça. Il dit, assieds-toi ici. Il dit, les habits que ta patronne t'a donné là, ça coûte combien? Patron, moi, je ne connais pas les. Que sur ces habits, les mafonnés, tu as dit ça, c'est quitté en France. Bon, viens t'asseoir ici. Patron.
Patron, fallait dire ça vite, non? Tu as quitté le village, mais tu connais l'argent, hein? Ça va? Ça va, patron. Bon, si tu sais que... Attends, donne-moi la commande, là, je vais couper le son. Parce que c'est maintenant... Voilà, les vraies portes vont s'ouvrir, bon. Parce que c'est quoi ça, l'enfant? Hey! On dit portes vont s'ouvrir. Ça veut dire que c'est maintenant, on va parler de bonnes choses dans cette maison. Mais tu sais que depuis que tu as commencé à porter les habits que ma femme t'a donné, tu es devenue jolie. Patron. Est-ce que tu connais le mot séduisante? Bon. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que tu es devenue jolie. Splendide. C'est splendide. 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 On m'a jamais dit ça. Ok. La chambre qu'elle a là-bas. Voilà, moi, je suis maintenant. Parce que c'est patron de lui. Après ce qu'elle te donne là, si le patron vient, tu sais ce que tu vas dire. J'ai essayé de gérer ça. Attends-moi. Patron, c'est beaucoup de...